ça commence. Ouais, bien, là, non, ça commence. J'adore cette émission. J'adore cette émission. Marié au premier regard. J'adore. C'est nul. Non, c'est pas nul. Tu sais quoi, ça permet juste aux moches de se rencontrer. Non, arrête. Non, moi j'ai déjà vu des moches qui sont mariées. Attends. Allez, un exemple. Suzanne Boyle, ça compte pas, elle a de l'argent. Un autre exemple. T'es marié? Monsieur Jérém, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Halid? Vous pouvez à présent découvrir et embrasser le marié. S'il vous plaît, la production d'RTL, elle est où la compatibilité là? Elle est où? C'est sur base d'études scientifiques, ils étudient si un couple est compatible ou pas. Tu sais qu'il y a... Mais au Maroc, franchement, ma grand-mère aussi, il y avait le marabout du village. Arrête de parler du Maroc et ta grand-mère. Mais non, mais c'était compatible à 100% avec son mari. Mais on les force pas, se marier dans l'émission, qu'est-ce que tu racontes? Bah, ma grand-mère... Mais non, tais-toi. Ils ont basé ça comme Game of Thrones, quoi. Ça dure pendant 1h30, et puis au moment où ils arrivent devant le bourgmestre pour se marier, et qu'ils vont se voir pour la première fois, bam, l'émission s'arrête. Ma grand-mère au Maroc, au premier épisode, on savait qu'elle allait se marier, avec qui elle allait se marier, on savait la vie qu'elle allait mener, où elle allait vivre, où, combien d'enfants elle aura, on savait tout dès le premier épisode. Si vous pensez être compatible avec moi, appelez la production d'RTL, mais je suis encore à prendre.